Salut à tous, voici encore une fois Les Grandes Lignes, votre magazine consacré à la culture. Dans cette édition, rencontre avec Michel Loki, ancien prof de français, dramaturge et auteur prolifique, qui lançait durant ce mois de février deux romans. C'est parti, suivez la ligne. Le 23 février 2021, à la librairie Petrus Mok au Hennessy Park Hotel, Jean Messendian, responsable de publication, arrive très tôt pour une mise en place. Après, suivent quelques invités et enfin Michel Loki. D'origine belge, Michel Loki aura élu domicile à Maurice depuis peu. Parcours intéressant pour cet auteur prolifique qui en est à son 13e ouvrage. Il aura été, entre autres, musicien, prof de français et dramaturge. Ce soir-là, l'auteur lançait ses deux derniers romans, Le singe qui descendait de l'homme et Chouette, je chôme. Une petite ruse d'auteur ne gâchant rien, Michel Loki profita de la soirée pour lancer, sur le sol mauricien, deux autres ouvrages parus précédemment outre-mer. Une foule amusée et complice s'était réunie pour cet événement, dont l'honorable Stéphane Toussaint, ministre de l'autonomisation de la jeunesse, des sports et des loisirs, qui n'hésita pas à enfiler ses chaussures de comédien d'un soir pour interpréter quelques moments du livre. Rencontre avec Michel Loki, auteur prolifique qui touche à tous les genres. J'ai une biographie assez énorme. J'ai d'abord été chanteur d'opéra et puis peintre. Donc j'ai fait pas mal d'expositions, j'ai vendu beaucoup d'ailleurs. Et puis, j'ai innové dans le monde pédagogique en créant une méthode spéciale qui a été développée d'ailleurs sur Internet, qui s'appelle orthodidacte. Donc c'était une manière d'améliorer l'orthographe et j'ai eu des prix pour ce travail. Après, alors, j'ai été comédien, metteur en scène et alors j'ai écrit 27 pièces de théâtre finalement, dont 20 ont été joués. Et disons, le couronnement de mon travail, ça a été de pouvoir représenter la Belgique francophone parmi une centaine d'écrivains. Hein, j'ai été choisi pour représenter la francophonie au Festival du Livre à Ottawa, au Canada. Une salle de théâtre vieillotte, poussiéreuse. À l'avant, un homme debout sur une chaise, un nœud autour du cou. Il soliloque. Un grand coup de pied. Un grand coup de pied dans le dossier et c'est fini. Je l'ai lu quelque part. La trachée qui se bloque. La respiration aussi, la nuque qui se casse. Alors, ce qui m'a frappé, c'est surtout cette mélange de satirique, que je peux dire, et aussi du sérieux, et qui fait réfléchir. Par exemple, Chouette de chaume, quand on regarde le titre, et on pense que quelqu'un qui est au chômage complètement, mais qui parle, qui fait le travail au noir. David, assis sur le bord de la scène, entre deux spots. Golden Boy. C'est l'expression favorite de Gladys. J'y ai droit une fois par semaine, au moins entre la poire et le fromage. Les deux livres principaux de ce lancement sont des adaptations de deux pièces de l'auteur jouées durant les années 90, car Michel Loki est également dramaturge. Le public avait donc droit à quelques passages imagés, comme ces extraits de Chouette, je chôme, récits truffés d'humour et de rebondissements. Quelques mois plus tard, à mon retour en Belgique, elle m'épousait. Enfin,
elle épousait mes diplômes, c'est ce que prétend ma mère. Moi, je n'ai aucun avis sur la question. Alors voilà, donc en réalité, il ne veut pas devenir Golden Boy. Donc les deux héros, l'un est un intello, surdoué, qu'on appelle un Golden Boy, et qui en a assez de sa fonction dans la banque. Fonction dans laquelle sa femme le pousse. Et elle ne l'aimera que s'il devient directeur général de cette banque et lui n'en veut pas. Donc il se retrouve à faire une publicité pour une bijouterie et il rencontre un preneur de son qui est en réalité le Robin des Bois, si on veut, ou l'Arsène Lupin plus exactement, du travail au noir. L'usure du pouvoir, même Dieu n'y échappe pas. À peine 32% d'opinion favorable, vous êtes en chute libre. Pas mieux que le président français en 2020. Autre livre star de la soirée, Le singe qui descendait de l'homme. Une fantaisie atypique mettant en scène des personnages historiques, mythologiques et fictifs dans une drôle de trame, sous l'étendard de l'humour naturellement. Il n'avait que 969 ans, il a de l'expérience. Il radote. Pourquoi ne pas infuser du sang nouveau comme Karl Marx ou Serge Gainsbourg, par exemple ? Il faut me comprendre, ils sortent à peine du purgatoire. Conseille-moi, Pierre. Le singe qui descend de l'homme, ça, c'est un livre très original. Je pense qu'il n'y a pas un seul livre dans les milliards de livres qui ont été édités qui ressemble à celui-là. Je ne dirais pas qu'il ne ressemble à rien, mais il ne ressemble à aucun autre, en tout cas. Je l'ai intitulé « Conte d'au-delà » parce qu'au fond, Dieu est mécontent de l'homme parce qu'il trafique les gènes et les chromosomes et il tend vers l'éternité et la perfection. Or, l'éternité et la perfection, c'est Dieu. Donc, il n'en veut plus comme chef de sa création. Et donc, ils vont rechercher des animaux qui peuvent éventuellement remplacer l'homme. Et donc, deux saints entreprennent un voyage pour réduire les cerveaux mâles, de façon à ce que la femme puisse dominer facilement. Pour cette autre histoire, il vous suffit de tourner la page. L'œil de Dieu. Je vais vous lire le début pour vous mettre en forme. C'est une description de l'enfer. Vous verrez qu'après, vous allez cultiver la vertu. Dans cette édition mauricienne de « Le singe qui descendait de l'homme », l'auteur inclut la suite de l'histoire, une deuxième partie intitulée « L'œil de Dieu ». Une gigantesque porte entrebâillée donnant sur un immense amphithéâtre fourmillant de damnés nus, hagards, errants, aveugles et sourds dans l'enceinte, rabattus vers le centre par des diables maniant fouets et verges qui s'abattent sur le dos et la tête des damnés. Au fond de l'antichambre, un grand four autour duquel la Trinité maléfique, Lucifer le Père, Lilith la Mère et Satan le Fils, se chauffent les crocs en grelottant. L'ombre de diablotins cornus fourchus se profile sur les flammes de l'âtre. Ils se tiennent prêts à exécuter les ordres éventuels de leur maître. Lucifer arbore une paire de cornes cirées aux nugettes, et des ailes de vampire. Il a la laideur du péché et se lisse la barbe. Il prend la parole. Quand on attend ça, on a des envies de vertu, non ? L'œil de Dieu, c'est la concrétisation de l'amour sur terre. Donc là, ce sont deux personnages. L'un qui est très connu en France s'appelle l'abbé Pierre et Mère Teresa. Qui a travaillé en Inde à Calcutta, qui sont chargés donc de rendre les hommes meilleurs. Et ils vont descendre sur terre pour contrer les mauvaises intentions de Satan qui lui aussi va descendre sur terre avec trois génocidaires, Mao Zedong, vous comprenez Mao Zedong, Staline et Hitler, au choix,
De toute façon, c'est celui qui est responsable des exécutions des Juifs à Auschwitz. Et il veut faire un peu la même chose. C'est pour ça qu'il y a un clin d'œil à la pandémie actuelle. Voilà. Il me reste le quatrième, qui est une pièce de théâtre. Pièce de théâtre qui a une histoire. Ça s'appelle La cour de récré. C'est une pièce que j'ai écrite pour la 3 ans. C'est pas iconoclaste du tout, non, je crois que ça reste positif. Dans chacun de mes ouvrages, il y a quand même une référence à quelque chose. Hein. Soit politique, si vous avez écouté tantôt, je parle même de Macron, hein, mais souvent social, plus souvent social. Mais dans pratiquement toutes mes œuvres, il y a du lyrisme. Pas dans tous les livres, mais dans la plupart. Humour, lyrisme et narration rapide. Moi, je vais à l'essentiel, donc je suis un narratif. Alors, il se rend chez une péripatéticienne, c'est-à-dire une femme de mœurs un peu légères, qu'il a déjà rencontrée autrefois, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour se déshabiller, mais c'est pour écouter ce qu'elle va dire. Vous ne croyez pas que c'est un psy ou un curé dont vous auriez besoin ? L'écriture de Michel Loki reflète la diversité de ses affinités et de son parcours atypique. Également ancien prof, il voue naturellement un grand amour pour la langue française, pour ses tournures et floraisons. Surtout avec une bonne dose d'humour belge. Au fil des livres se mêlent diverses concoctions de lyrisme, d'humour, d'action, de fantaisie, voire de poésie. Les grands poètes disparus sont sa référence de choix. Le psychiatre m'a conseillé de divorcer, le curé m'a promis de prier pour moi. Le conseil du premier n'est peut-être pas dépourvu de bon sens. Il est surtout intéressé, le docteur Ralph Steny est amoureux de ma femme. Il vous l'a dit ? Ses regards et l'amour gourmand de ses lèvres sont éloquents. Et vous, que me conseillez-vous ? De changer de boulot et de changer de femme. Rien de moins. Ben, si vous ne changez pas de femme, vous ne pourrez pas changer de boulot. C'est possible. C'est certain. Je suis fan de poésie. Je suis fan de Baudelaire, de Verlaine, hein, de Rimbaud, de Paul Valéry, de Paul Fort. Voilà, tous ces poètes m'inspirent énormément et je ne peux pas me passer, au fond, dans mes ouvrages, de parler de poésie. Notamment, dans Chouette Je Chôme, le personnage principal, le jeune personnage principal, abandonne la banque pour se consacrer à de la publicité qu'il fait en alexandrin. Voilà. Donc il retrouve en quelque sorte son hobby, c'est-à-dire la poésie. Elle veut que vous soyez l'homme qu'elle pourrait aimer. Un cadre supérieur, un golden boy, comme on les appelle aux States. C'est ce que vous souhaitez devenir ? Non, jamais. Alors envoyez tout promener. Mais j'ai une fille qui aurait comme père un golden boy mal dans sa peau. Ce ne serait pas confortable pour elle. Ah, vous auriez fait une psychologue fort acceptable, mademoiselle Lisa. Celle-ci se fait aguichante. J'y songerai quand mes instruments de travail seront usés. Je vais réfléchir à tout ce que vous avez dit. Lisa offre généreusement les trésors de son corsage. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la poésie s'est réfugiée dans la chanson. Qui publie encore des poèmes maintenant ? Ou qui lit encore des poèmes d'auteurs contemporains ? Le sol mauricien aura subjugué Michel Loki. Il s'y est installé il y a 7 ans. C'est ici qu'il poursuit son œuvre. En 2012, j'ai rencontré Michel Loki à Maurice, lors des vacances à Maurice. C'était sa première visite à l'île Maurice. Et là, comme moi aussi, je suis passionné des livres, de la publication, ça s'est passé très facilement.
cette entente et on a longuement parlé des publications et surtout qu'il allait s'installer à l'île Maurice. Et de là, c'est là que cette complicité est arrivée depuis 2012. Et puis, il y a à peu près 3 ans de cela, on avait lancé La fin du monde à l'île Maurice, dont j'ai travaillé toute la partie mise en page et l'aider aussi pour la couverture. Le silence m'inspire. Et la beauté de Maurice m'inspire, ça c'est certain. Et me tourne peut-être encore plus vers la poésie, parce que je trouve que c'est une île poétique. Je ne sais pas si les Mauriciens s'en rendent compte, mais c'est vraiment une île poétique. J'ai écrit un livre sur qui se passe à l'île Maurice. Hein? Fin du monde à l'île Maurice. C'est un roman vase clos. C'est un roman qui se passe dans un bistrot. Et donc là, il y a les deux patrons, qui sont deux homosexuels d'ailleurs. Et il y a 7 ou 8 clients, je ne sais plus exactement. Et donc, chacun va réagir par rapport à la météorite qui s'amène vers l'île Maurice. Voilà. Donc, c'est au fond, pas un procès, mais une étude de personnages quand la mort est proche. C'est un livre, à mon avis, qui pourrait faire un bon film. Dans la riche bibliographie de Michel Locchi, les livres se suivent sans se ressembler. Une couverture ne manque pas de captiver l'attention, il s'agit de La hargne au ventre, un récit sombre écrit à une période spécifique de la vie de l'auteur. Il est sorti juste après la mort de mon épouse. Et je crois que c'est pour ça qu'il est si noir. Et que là, on trouve très peu de traces d'humour. Donc c'est un peu un livre à part dans ma production. C'est au fond l'histoire de toute une série de vengeances. Hein, donc ils vont de la vengeance la moins grave à la vengeance atroce. Donc c'est très noir, comme la couverture d'ailleurs. Et c'est pas mon livre préféré. Au fond c'est un livre un peu de circonstances, c'est un peu pour me défouler après la mort de mon épouse. À Petrusbock ce soir-là, un autre roman que l'artiste affectionne particulièrement. Encore une fois, c'est l'adaptation de l'une de ses pièces, Le rêve de Rose, un conte mêlant tendresse, rêverie et fantaisie sur le canevas sombre de la mort et la perte d'un être cher. Une histoire inspirée du vécu de l'auteur. Le rêve de Rose, donc, c'est mon best-seller. Hein. Ça a d'abord été une pièce de théâtre qui a fait plus de 6000 spectateurs à Bruxelles. Et un ami me dit, pourquoi tu ne le mets pas en roman? Ce que j'ai fait, j'en suis à ma 3e édition. Et l'origine, c'est une visite chez ma mère. Je vais chez ma mère et je vois le portrait de mon père à l'envers sur la cheminée. Je dis, pourquoi tu as mis le portrait de papa à l'envers? Il était mort depuis 10 ans. Hein. Il n'a pas été gentil la nuit. Donc elle avait vraiment l'impression d'une présence physique de mon père la nuit. Et c'est comme ça que j'ai imaginé le personnage de Rose, qui ne peut pas vivre seul, son mari est mort, et il revient la nuit pour lui chauffer les pieds, et elle s'invente un chat parlant le jour. Donc le thème, c'est l'opposition entre le rêve, représenté par Rose, et la réalité, représentée par le chat, qui est un chat parlant. Avec 13 romans publiés à ce jour et plus d'une trentaine de pièces écrites et mises en scène, Michel Locchi n'aura pas chômé. Il aura exploré la prose et la langue sous toutes ses formes, spectacle lyrique, pédagogie, théâtre et écriture. Bien installé à Maurice, cet homme de lettres ne semble pas prêt de s'arrêter en si bon chemin. D'autant plus que sa rencontre avec Jean Messendian
aura créé un partenariat qui se promet fructueux. Michel Loki poursuit son bonhomme de chemin, mais pour lui, le plus important reste le plaisir d'écrire. Quand Michel Loki m'a approché l'année dernière, quand il m'a donné les manuscrits, et c'est là que j'ai commencé à travailler toute la partie mise en page, la couverture, lui présenter une maquette. Et je peux vous dire que ça m'a donné certaines idées aussi, parce que quand même, à Maurice, le souci, surtout ceux des écrivains, c'est toujours de trouver quelqu'un pour remettre en forme, c'est-à-dire toute la partie de mise en page, concevoir la couverture. C'est un peu ça que j'ai voulu aussi me lancer pour aider les écrivains qui veulent se lancer et les aider. Et surtout, moi, je parle aussi des jeunes, parce que je vois qu'il y a pas mal de jeunes qui sont intéressés dans l'écriture des romans, des livres, des bandes dessinées. Mais je suis là pour les guider, les conseiller. Je vous dirais que le fait d'écrire me suffit. Je ne suis pas du tout un commercial. Bon, j'aime bien être lu malgré tout, mais je ne vais pas faire le moindre effort pour commercialiser. Ce n'est pas du tout mon rayon, ça. Donc ce qui m'intéresse, c'est les deux livres que je vais produire au mois d'avril ou de mai, hein, qui sont cette farce de vie et un policier du rififi au supermarché. Ça m'intéresse. Ce qui va se passer, je ne sais pas. Je sais que je vais être... C'est la maison d'édition L'Océan Indien qui va se charger de distribuer mes livres dans les librairies. Désolé de vous avoir fait attendre. On vous a expliqué ? Quoi ? Ce que vous devez dire. Non. Montez sur la chaise. David s'exécute. Bon, cet après-midi, c'est une publicité télévisée pour la bijouterie de Coup du Toit. Très grosse maison à Bruxelles, 10 succursales en province, 15 secondes de pub, allez-y. Qu'est-ce que je dois dire ? Pardon, suis-je bête ? Il fouille dans ses poches et sort un bout de papier qu'il déplie, il lit. Avant de lui mettre la corde au cou, venez nous conseiller bijouterie de Coup du Toit. Deux romans drôles et sympathiques donc, Le singe qui descendait de l'homme et Chouette, je chaume, sont désormais disponibles à la librairie Petrus Mock. Quelques lectures qui s'annoncent comme porte d'entrée dans la longue bibliographie de l'auteur. Fin de partie, il est l'heure de se quitter. On se donne rendez-vous dans une semaine. Restez en ligne. Thank you.